sans aucun doute, c'est l'ambiance des grands matchs. On est tous impatients de voir cette rencontre débuter. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Salut à tous, sous nos yeux, on en profite, c'est Saint James Park, quelle ambiance exceptionnelle. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin, Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva. Je suis d'emblème au menu de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue. Et c'est ici un magnifique spectacle qui se prépare sans aucun doute. Et encore un nouveau match à vous proposer. Mais un match de football, ce n'est jamais pareil. Le suspense toujours garanti. Le point fort, on le connaît, c'est le pressing. C'est simple, si vous voulez voir comment va une équipe, regardez-la presser. Donc, pour cette équipe, tout va bien. Elle va bien, elle défend bien, elle attaque bien. C'est un véritable spectacle. Voici la compo de Manchester United. Lindelof avec McGuire en défense centrale. McTominay sera accompagné de Bruno Fernandes au milieu. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. C'est le premier ballon dans ce match. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Isak peut-être pour reprendre. Allez, l'attaque bute sur une défense bien en place. Bruno Fernandes. Ouais, c'est propre, sans faute. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, laisse l'avantage. L'arbitre ne laissera pas l'avantage finalement, c'est un coup franc. Pas de carton sur cette intervention, l'arbitre signale en revanche une faute. C'est l'avertissement verbal et la pédagogie qui ont été privilégiés pour l'instant. J'ai bien dit, pour l'instant. Sans trop de difficultés, ce coup franc. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match, mais on risque pas grand chose franchement en annonçant une grande rencontre de sa part. On le sait, son dernier geste toujours très naturel. Il y a toujours cette simplicité au moment de rentrer dans la surface. J'admire ses qualités de finition, toujours bien placées. Regardez, regardez. Allez contrer cette frappe. Le corner, c'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Allez, il faut lever la tête maintenant. Un tir, bon. Et qui est finalement complètement raté. C'était bien la peine de s'appliquer, de placer son corps correctement. Le ballon passe loin du but. La bonne percée, il faut aller provoquer.
Le ballon circule bien. Ça joue sur Trippier. Et c'est donc une touche. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ah non, finalement Ouh, la faute, et attention là, ce tacle, et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Lindelöf. Le ballon pour Lindelöf. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Interception en pleine surface de réparation. Allez, un contre à jouer maintenant. Ah, bien joué dans la profondeur. Et un arrêt qui fait du bien. C'est bien parti pour ce corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Rashford. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Le ballon sort en touche. Isaac. Il faut apporter le danger maintenant. Dommage pour l'attaque, c'est contré. Ça joue sur Trippier. Le ballon pour Isaac. Le ballon circule bien dans le camp adverse. Le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand chose de positif ici. Beaucoup trop de suffisance dans cette action. Lindelöf. Scott McTominay. Le ballon circule en attaque. Attention à cette frappe. Oh, magnifique, Nick Pope. Alexander Isaac. Excellente la séquence de construction. Et ça joue sur Trippier. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Scott McTominay, et c'est pour Harry Maguire. Maguire. On voit bien avec ces stats que ce n'est pas parce que tu as le ballon que tu es dangereux. Ce qui compte, c'est l'intention et le déplacement. Et pour l'instant, aucune des deux équipes n'a l'intention de déséquilibrer son rival. Ah, regardez, peut-être quelque chose là-dessus. Ah non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ballon pour Marcus Rashford. Bruno Fernandes reçoit le ballon. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Ballon pour Alexander Isaac. C'est pour Harry Maguire.
André Onana. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Bruno Fernandes. Le danger dans la profondeur. Et la bonne parade du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Le début de la seconde période avec ce match particulièrement équilibré. Les deux équipes font jeu égal, personne ne lâche rien et c'est passionnant. Ouais, la bonne intervention, touche. Et il vient repiquer vers le but. Attention ! Eh oui, le bon réflexe. Le public se fait entendre avant ce corner, première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Un changement pour Manchester United. C'est joué court. Le centre vers la surface. Le ballon. Le ballon est récupéré. Wan-Bissaka. C'est récupéré par les Magpies. Assez bien joué, il y a une bonne progression. Ballon pour Kieran Trippier. Le ballon pour Isak. Intercepté là et ballon perdu par Manchester United. Long ballon aérien, la défense se soulage. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Ça repart pour Newcastle. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ballon pour Kieran Trippier. Et la frappe. Oh là là, Onana, quelle intervention! Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff.
Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Assez mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Ouais, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Bruno Fernandes. Et ça joue avec Wan-Bissaka. Et la super intervention, mais finalement, hors-jeu est signalé. Et voilà, un ballon bien intercepté. Il y a des solutions là pour Bruno Fernandes. Et ça joue avec Wan-Bissaka. Avec Bruno Fernandes. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Le ballon qui a récupéré dans une ambiance invraisemblable. Un but seulement et c'est la délivrance. Dominé. C'est sur Marcus Rashford. Et finalement, l'arbitre revient à la faute et donne le coup franc. Le coup franc joué à terre. On essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Ballon pour Marcus Rashford. La frappe de Rashford. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Et changement pour Manchester United. De la liberté pour United dans le couloir. Ah dommage, hors jeu, la passe a un petit peu tardé à arriver. L'équipe n'abandonne pas, évidemment. C'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. Et ça joue sur Trippier. Et le tir part bien. Et le plongeon d'Onana pour éloigner le danger. Et le changement va donc avoir lieu. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Ouais, un bon travail de la défense, c'est contré. Ah, c'est perdu ce ballon par Martial. Bruno Guimaraes maintenant. Le ballon pour Isak. Ah, le stade réclame une frappe. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Magnifique, quelle passe. Ah, c'est reçu et il y a des solutions. Poteau, ce n'est pas fini. Et ça joue avec Wan-Bissaka.
Oh, la cage, tu vois pas que c'est la fin du match. Ouvre-toi, sois papillon, papillon, bounce. On veut pas du match nul. L'enjeu est important, le moment aussi. Il faut aller chercher le but décisif. Ballon pour Kieran Trippier. Ballon pour Alexander Isak. L'occasion de prendre l'avantage. Quelle intervention absolument décisive. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Wan-Bissaka sur le côté. Manchester United a de l'espace. Et ça joue sur Martial. C'est une balle de match. Et but! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté, évidemment. Mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça, la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. Regardez, elle est magnifique, cette passe laser. Elle est télédirigée. Et ils viennent ouvrir tout à la défense. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. C'est reparti avec Manchester United qui mène au score. Ce sont les derniers efforts. Oh, la faute! Cette faute qui vient interrompre cette action. Oh, ça mérite quelque chose, ça. C'est un carton jaune pour Harry Maguire. Eh oui, c'est logique. Il y a trop d'engagement sur cette intervention. Il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coup franc. Attention! Alors l'arbitre revient à la faute parce que l'avantage n'a pas profité. C'est fini, l'arbitre siffle donc la fin de la rencontre. 3 points de plus pour Manchester United. Les victoires très courtes comme ça sont encore plus méritoires. Ça donne encore plus de valeur.